Bon, j'ai pas fait de story depuis tout à l'heure, je suis en train de ranger tout, les valises, je trie et tout. Beaucoup de rangement, beaucoup de tri. Ça fait plaisir, bonne chose de faite. J'avance doucement, mais sûrement. Et voilà, tenue du jour de l'an. J'ai mis des petites barrettes à Lily, je me suis fait un peu des tresses par-ci par-là. J'ai enfilé une tenue toute pailletée. Voilà, avec une petite veste comme ça. Simple, efficace. Et j'ai acheté ce collier à l'aéroport. Il était trop joli, je trouvais. Donc, je l'ai pris chez Swarovski. Voilà. Et j'ai mis des baskets, évidemment. Toujours un peu chic. Comment tu dis bonne année, Lily? Tu dis? Bonne année! Regardez-moi le caleçon, slibard, t-shirt, en train de faire des voice notes pour dire bonne année. Ah, tu es magnifique, frère. Ah, tu es un bébé cœur. J'ai trop de messages, il faut que je réponde. Après, ça sent piètre. Ah, tu es beau comme un cœur. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je lui ai dit, chérie, qu'est-ce qu'on mange à midi? Chérie, tourne-toi, explique-nous. Là, j'ai dit qu'on est le 1er janvier, donc du coup, maintenant, il faut commencer à faire attention. T'as dit ça? Non, j'ai pas dit ça. Ah! J'ai dit peut-être un tacos, ouais. Parce qu'après, le temps qu'on rentre, quoi. Dernière journée, après, Ah oui! Ah, on est passé du premier au Dès 2. qu'on rentre au 2, quoi. 2, à partir du 2 alors. Ouais. Bah, dès qu'on rentre à Dubaï, quoi. Il faut un truc électrostimulation, tu vois. Bébé cœur, tu es. Ah, cette dégaine magnifique. Tu as un cœur d'amour. Et là, il va falloir qu'on finisse nos valises. Ça y est, on y est. Bon, alors tout d'abord, je vous souhaite une très jolie année à tous. Voilà, une très très belle année à tous les gens qui me suivent et tous ceux qui ne me suivent pas aussi, mais qui ne m'entendent pas. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et le principal qui est évidemment le primordial, la santé. Parce que sans la santé, rien n'est marrant et tout est plus compliqué. Je sais de quoi je parle, hein. J'ai eu des enfants en pas bonne santé pendant longtemps et voilà. Et là aujourd'hui, ça va, on est heureux, je suis comblée. Pour nous, je ne nous souhaite rien de plus que juste tout continue, qu'on ait nos proches autour de nous et que notre famille aille bien et que tout continue comme ça. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Vous profitez, vivez les petites choses simples de la vie et puis voilà. Voilà, c'est tout. Nous, on va commencer, enfin, finir nos valises. Je dois faire ceux des enfants. Je suis contente d'avoir fait quasiment tout hier. Et voilà, et là on va sûrement se commander un truc à manger parce que j'ai un peu la flemme de faire à manger. Je sais pas, je vais voir. Les enfants, ils ont déjà mangé. Liwen est parti en sieste. J'ai la flemme. Oh, on démarre l'année doucement et sûrement. Et on va récupérer nos activités dès demain. Ça y est, on rentre à la maison. Ouf, je suis trop contente. Bon, je vais commencer l'année par me faire un bon shampoing, un bon gommage et un bon masque. Voilà, je me faire tout ça et ensuite j'attaque les valises de Mylon et Lil Wayne. Voilà comment je démarre l'année en pyjama, bien sûr. Tout le monde me demande d'où vient mon pyjama. Je sais pas, c'est mon beau-frère et ma belle-sœur qui m'ont offert à Noël Disney. Il est marqué. Il est trop beau. Il est trop mignon. J'adore les pyjamas. Vous savez ma passion des pyjamas. Tu t'éclates, mon fils? Tu t'amuses bien? Mon amour.
Mon grand garçon, c'est trop bien. Il s'amuse et tout. Je suis en train d'avancer dans sa petite valise là. J'ai fait Mylon, là il me reste Lil Wayne. J'avance doucement mais sûrement. Non mais Rocco, il vit toujours sa meilleure vie quand il est dans la piscine. Voilà, voilà l'activité de Rocco à chaque fois qu'il vient à la maison. Il adore ça. Il est game, c'est chien. Hein mais... Comment est-ce game maintenant hein? Il est comme toi, frère. Il est comme moi. Qu'est-ce, hein qu'est-ce qui se passe, Logan? Bah ouais, j'attends qu'il ait fini de se baigner. Pourquoi? Parce que je peux pas le récupérer. Pourquoi tu peux pas le récupérer? Parce que dès qu'il sort et que je m'approche, il saute. Ah ouais, dès qu'il s'approche pour récupérer, il est trop malin, il saute, genre en mode tu dérange. C'est un gosse, non, je suis obligé d'attendre. Il est énervé, tu es dégoûté là. Je suis obligé d'attendre, voilà. Là je m'approche. Il part allez, un coup. On va. Allez. 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 Allez, on va. Alors c'est bon. Pauvre Rocco. Mais oui, t'aimes trop la piscine, toi. Ben oui, tu veux faire la piscine, toi. Ah ben super, c'est le top. Un grand merci à Best Motors, ils nous ont véhiculé pendant toutes nos vacances, on a pu aller au ski partout, Best Motors, vous avez un garage disponible à Arles et Tarascon, voilà, spécialisé dans la vente et dans la location de véhicules, et ils vous font également les cartes grises, franchement les véhicules sont nickel, et voilà, merci encore Best Motors, je vous mets toutes les informations si vous êtes intéressé pour louer ou acheter ou faire vos cartes grises. Bon, j'ai pas fait de story depuis tout à l'heure, depuis cet après-midi, parce qu'on était avec Jamel et Ismaël. Ils étaient à la maison et on discutait et tout, mais là, ça y est, fallait que je continue à faire mes valises parce que on part demain matin. C'était trop bien, on a bien rigolé. J'étais trop contente de voir Jamel. Je l'ai pas beaucoup vu. Je l'ai pas beaucoup vu cet hiver. C'est vrai que ben, on est parti beaucoup, mais bon, c'est pas grave, on va le revoir. C'est Jamel. Hein. Jamel, on le voit tout le temps. C'était bien. À la maison dormir et tout, donc mais c'est vrai que l'hiver on descend pas assez longtemps. Là je suis en train de finir la valise de Lils et voilà, je mets un peu, j'ai tout qui est propre, ça c'est trop bien parce que comme ça quand j'arrive à Dubaï, hop, j'ai juste à tout mettre. J'ai un tout petit sachet de sale mais genre vraiment ridicule, et du coup quand on arrive on n'a plus qu'à replier dans les placards. C'est sûrement une des dernières fois que Lil Wayne va dormir dans le lit de bébé. C'est vrai que ben, elle est dans le lit de bébé depuis voilà, hein, depuis qu'elle est bébé, mais là il va falloir penser à bientôt la passer à un lit de grande. Alors pas de suite, je la laisse encore franchement au moins jusqu'à 2 ans et demi, peut-être au mois d'avril, avril mai je pense. Je suis pas pressée, je sens que c'est mon dernier bébé, puis elle dort bien, elle a encore un sommeil profond, enfin elle grimpe pas, elle est bien dans son lit bébé encore. Elle est pas non plus trop grande. Et voilà, mais j'ai pas hâte non plus parce que ça veut dire qu'une fois que j'enlève le lit bébé, j'ai plus de bébé. J'aurai plus de bébé. Ce sera terminé. Tout le monde pense d'ailleurs que je suis enceinte. Alors non, je ne suis pas enceinte, j'ai juste pris du ventre. Mais bon, et bien finalement, Mylon nous a demandé s'il pouvait dormir avec sa sœur. Ils veulent dormir tous les deux en bas. Donc du coup, Lil Wayne va passer finalement sa première nuit dans le lit avec son frère, voilà. Ça c'est le bon souvenir ça, quand on est petit, quand on dort avec ses frères et tout, c'est trop bien. Voilà. Bonne nuit. À demain, je vous aime. Je vous aime. Bye.